Vous êtes sur RTL. 15h. Allez, place à l'information avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Alors, Novak Djokovic testé positif au coronavirus à son tour. Le numéro 1 mondial du tennis à l'initiative d'un tournoi, l'Adria Tour, dans les Balkans. Trois autres joueurs participants ont contracté juste après la maladie Covid-19. Grigor Dimitrov, Borna Koric et Victor Troïki. Novak Djokovic, lui, ne ressentirait aucun symptôme et espère que le nombre de cas s'arrêtera là. Les images du tournoi montraient un stade comble et très peu de masques de protection lors de la première étape à Belgrade, il y a 10 jours. En football, Amiens et Toulouse n'auront pas réussi à convaincre. La Ligue 1 restera à 20 clubs et non 22 l'an prochain. Les deux équipes sont reléguées en Ligue 2 à l'issue d'une assemblée générale. La mesure a été adoptée à plus de 74% des voix. L'Allemagne reconfine 360 000 habitants à Gütersloh. C'est là qu'un abattoir avait détecté plus de 1500 cas. En Angleterre, les autorités font tout le contraire. Réouverture dès le 4 juillet des hôtels, musées, coiffeurs et des très emblématiques pubs anglais. Allez, retour en France, et l'heure est aux réquisitions dans le procès Mediator. Les procureurs dénoncent des manœuvres de dissimulation de la part du laboratoire Servier. Ils ont posé cette question. Comment un produit à l'efficacité aussi modeste et de surcroît dangereux a-t-il pu rester si longtemps commercialisé? Le Mediator, prévu pour les diabétiques, a été massivement prescrit pour son effet coupe-faim et aurait provoqué la mort de centaines de personnes. La reprise des fouilles dans les Ardennes, les gendarmes tentent de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, la fillette de 9 ans disparue en 2003, dans le viseur, cette fois le domaine du château de Sautou, autre ancienne propriété de Michel Fourniret. Le tueur avait avoué le meurtre il y a quelques mois. Hier, les premières fouilles dans une autre maison à une dizaine de kilomètres n'ont pas été concluantes. 4 CRS placés en garde à vue hier pour violence sur des gilets jaunes. Les faits remontent à décembre 2018 dans un fast-food parisien près de l'Arc de Triomphe. Une trentaine de personnes s'y étaient réfugiées après des heurts dans le cortège. Une douzaine de CRS ont ensuite investi les lieux et auraient frappé ces manifestants. Et puis le syndicat de pilotes majoritaire d'Air France donne son feu vert pour le départ volontaire de 403 pilotes. Accord de rupture conventionnelle collective est en vue. Avec l'effondrement du trafic aérien, la compagnie avait annoncé la semaine dernière son souhait de supprimer 10 000 postes. Les courses, elles ont lieu à Auteuil et on rejoint Dominique Cordier pour ses pronostics. Bonjour Dominique. Bonjour Aude, bonjour Flavie. Alors l'arrivée du quintet, il fallait jouer le 3, le 9, le 7, le 11 et le 6. La victoire pour le 3, Exupéry, 4,40€, 2,20€. Deuxième, le 9, Faro, 2,30€. Le 7, Evans Knight est troisième, 2€ tout rond. Devant le 11, Fundemot qui était à 30 contre 1. Et le 6, Courchevirène qui était à 53 contre 1. 3, 9, 7, 11 et 6, c'est le quintet du jour. La 7e, la victoire pour le 8, Galloping Star, 9€ et 2,20€. Deuxième, Las, Biscaya Storm, 1,60€. Le 2, l'ouragan est troisième, 2,10€ devant, et cela va vous faire sourire, mes chers Flavie et Aude. Le numéro 4, mon mec à moi, qui était favori, mais malheureusement, qui ne se classe que quatrième. Merci à vous, Dominique Cordier. Est-ce qu'il parlait d'aventure, justement, ce mec peut-être. À moi ce fut une aventure, effectivement, pour ce pauvre mon mec à moi. Merci beaucoup, Dominique Cordier. Et dites donc, Aude, la météo. Dites-moi. Vous avez super bien bossé. C'est génial, ouais, vous bossez mieux que vos collègues. Voilà, du soleil avec un grand S. Sur toute la France, Flavie, des températures qui confirment bien le début de l'été. 22 degrés pour la minimale cet après-midi, ce sera sur les bords de la Manche, jusqu'à 35 degrés dans la vallée du Rhône. RTL, il est 15h03, Flavie Flamand continue. Oui, et puis vous nous écoutez, Aude Vernuccio, et je vous écouterai moi à 16h pour un prochain point sur l'actu. À tout RTL. À l'heure. Au revoir.